Jean-Yves Gouinsou, bonjour. Bonjour Charles. Jean-Yves Gouinsou, responsable administratif du Festival africain de beauté FESAB, édition 2016. Alors, le festival a démarré par la foire depuis lundi dernier. Dites-nous, comment est-ce que ça se passe? Déjà, à la place Bulgarie de Cotonou, nous avons plusieurs entreprises qui exposent. Ces entreprises nous présentent des produits très variés, allant des objets de décoration au téléphone portable, passant bien sûr par les accessoires de cuisine, les perles, les vêtements et bien d'autres choses encore. Nous en avons parlé sur ce plateau. Le prochain rendez-vous dans le cadre du FESAB 2016, c'est bien sûr l'élection de Miss FESAB qui aura lieu le vendredi prochain à la salle rouge du Palais des Congrès à partir de 20h. Dites-nous tout. Exactement, cette élection met en scène 12 candidates. 12 candidates nous venant d'horizons divers. Elles se préparent activement à nous offrir un spectacle sans pareil. À l'affiche, nous avons cette révélation de l'année 2016. Je veux parler bien sûr de Vano, Wilf Enigma et enfin Hamo. Après la grande soirée élective Miss FESAB, nous serons du côté de Lomé le 23 décembre prochain. Ce sera alors pour célébrer la diversité culturelle ouest-africaine et nous serons du côté de Palm Beach Hotel. Quelles seront les conditions d'entrée évidemment pour l'élection Miss FESAB 2016? Ok, les tickets sont à la portée de tout le monde. Ils sont en vente au prix de 3000 francs et de 5000 francs. Voilà, Jean-Yves Gouinsou, un numéro de téléphone très rapidement. Déjà le 96 53 47 74. Merci Jean-Yves Gouinsou d'être passé sur ce plateau. On va se donner rendez-vous le vendredi à partir de 20h à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou pour vivre la troisième édition du FESAB, le Festival africain de beauté, édition 2016.